En mode interview, on reçoit ce soir notamment Union Jack. Alors yes, c'est Tom Paris qui va nous faire la trad hein, ce soir. Welcome Tom. Bonsoir. Bienvenue sur Contact. Merci beaucoup, on est très heureux d'être là. Alors bienvenue Trevor, Trevor Rocklife, une des légendes aussi de la musique électronique. Welcome Trevor, excuse-moi. How are you doing out there? Yeah, I'm fine. Welcome Colin Dale. Ah, merci. Oh, bonsoir. Clac, voilà, là c'est bon. Alors tout d'abord, le nord de la France, est-ce qu'ils connaissent, est-ce qu'ils sont déjà venus mixer ici, par chez nous? Oui, ils ont déjà mixé avant de jouer ce soir à l'H2O. Alors à l'H2O, quel style de son ça va être ce soir à l'H2O pour les gens qui ne connaissent pas malheureusement Union Jack? What kind of music are you playing tonight, Trev? I'm going to be doing my usual funky stuff, funky house. House funky? Yeah. Funky house, Colin. I mean, tech house, very techy, sexy, funky music. Techy, sexy. Ah, j'ai entendu, ouais, ça, j'ai reçu sexy, il n'y a pas de problème. Et Tom? Oui, tech house, electro house. Alors comment ça se passe le mix? Vous êtes tous les trois en même temps, vous passez chacun votre tour? Normalement, on se passe, on joue un après l'autre, mais on prévoit ça aux dernières minutes. Quand on voit comment ça se passe dans le stade, qui va jouer quand, on range ça entre eux. Est-ce que vous avez des prods actuellement chacun de votre côté? Est-ce que vous faites des productions communes? Comment ça se passe, Union Jack? Trevor, pour le moment, il avait remixé un morceau que moi j'avais fait sur le label parisien DJ Center. Ouais. Colin, il va faire un remix prochainement et après, on va sortir un EP qu'on va travailler entre nous. Mais comme on ne vit pas tous. Tous ensemble. Voilà. voilà, c'est il faut trouver le temps. Alors Trevor, tu connais bien Carl Cox à ce qui paraît, c'est un pote à toi. You know Carl Cox? Yeah, Carl Cox is he's one of my best friends, yeah. À ce qui paraît, tu as été le premier artiste à signer sur son label en Angleterre. First artist signed on his label. First artist signed on his label, yes. Indeed. C'est fort. Franchement, ça le fait quand même. C'est génial. Carl Cox, forcément, ça parle à tout le monde, il n'y a pas de souci. Tu signes, tu es encore donc signé sur son label actuellement? He signed still to his label? He's just about to sign to start up the label again. The label stopped. He stopped the label for probably about 5 years now, but he's just about to start it up again. So he's been in contact with me and he wants me to do some production for him. So, alors, ça fait 5 ans qu'il n'y a pas beaucoup de disques qui sortent sur son label et là, il prévoit de commencer à sortir le disque et Trevor, il va faire partie des gens qui sortent le disque. Alors ce que je vous propose c'est de revenir d'ici quelques minutes car il y a la pub là qui pousse. Ah ouais. Vous serez tous sur Union Jack juste après le son. Alors attends, bouge pas, je reprends ma prog, c'est un peu le bordel ce soir. Miles Dalzon et Junior Caldera, je sais que t'aimes bien ça Sandra. Moi j'adore, en plus tu l'as super bien dit, je suis contente. T'as vu ça? Ouais. J'ai pas patate pour non, une fois. Non, nickel. What you get, la prog qui commence à la cool et dans la deuxième heure ça va s'accélérer. On recevra aussi d'ici quelques minutes Greg Seron et Dafresh dans le club sur Contact. New music.